Nous sommes tellement honorés de vous savoir nombreux en train de suivre Congo Live Télévision. Les dames et messieurs, nous disons merci de votre fidélité de partout. Vous vous trouvez, nous disons merci et bienvenue à suivre Congo Live Télévision à ce nouveau numéro de ce vendredi 1er mars 2024 en direct de la ville de Goma. Monsieur Moïse Hangi, analyste indépendant citoyen congolais, notre invité, je suis Youssoufou Kibingila David à sa présentation. Monsieur Moïse Hangi, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Merci beaucoup, bonjour à vous très cher David, très cher téléspectateur habitué de cette émission sur Congo Live Télévision. Bonjour tout de même à vous, bonjour à nos compatriotes qui nous suivent de partout à travers la République démocratique du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour tout de même à ceux qui nous captent de partout à travers les continents africains, sans oublier nos compatriotes de la diaspora congolaise. Nous sommes heureux de vous connaître très nombreux pour effectivement ensemble essayer un peu de comprendre la situation de l'est et surtout ces drames humanitaire et sécuritaire qui s'observe ici dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Nous espérons que nous ferons de notre mieux pour essayer un peu de descripter effectivement l'actualité ici à l'est et vous fixer un rapport effectivement à la nouvelle donne. Parlez-nous un peu la ville de Goma, comment elle se porte ce matin, actuellement, aujourd'hui et présent. La ville de Goma, elle se porte à merveille. Nous sommes là, effectivement, même si nous restons toujours dans l'incertitude, compte tenu du fait que les territoires environnant la ville ne sont pas encore totalement sous le contrôle des forces régulières, ça veut dire de l'armée congolaise. Voilà pourquoi jusqu'à présent on tente effectivement d'espérer que ça va aller, mais on est là pas vraiment dans toute la certitude. Je rappelle aussi bien que vous êtes natif du territoire de Massissi, c'est ça, monsieur Moïse? Absolument, je suis massissois et je suis fier de ça. Au-delà d'être massissois, je suis un jeune congolais, je suis né de Massissi, mais je suis grandi à Goma. Et je suis donc un Congolais de père. On s'en va dans les Massissi, précisément dans la cité de Sakié, où de blindés de la SADC visés ce 29 février par des bombes de M23 à Sakié. Des sources locales qui ont affirmé que c'était vers 11h locales que deux blindés de la force de la SADC, des contingents des Tanzaniens, ont été visés. Comme natif de ces territoires, parlez-nous-en un peu de ces drames, de la situation qui s'est déroulée hier. Alors, à Sakié, évidemment, les rebelles du M23 ont ciblé le blindé de la force régionale de la SADC, comme toujours dans leurs habitudes, façon de vouloir effectivement créer une panique ou créer ce que j'appellerais une diversion. Et heureusement, ils ne sont pas effectivement parvenus à aboutir à leur plan. Ils ont effectivement largué ces bombes et je vous annonce ici qu'il n'y a pas eu des dégâts collatéraux par rapport à ça, très spécifiquement pour ce qui concerne les blindés de la SADC. Les bombes n'ont pas atteint ces engins, plutôt les habitations des civils ont encore été effectivement victimes ou la cible de ces bombardements. Et nous disons que les M23 devraient arrêter avec cette façon de faire. S'ils pensent ne pas être à mesure de faire la guerre à la RDC, tant mieux qu'ils rentrent chez eux au Rwanda et en Ouganda. Mais déverser leur colère sur la population civile, nous trouvons que ça s'appelle diversion. S'ils pensent être à même de nous faire la guerre, de faire un bras de fer avec les jeunes Wazalendo, qu'ils viennent, comme ça les jeunes vont les battre très bien. Le FARDC va les battre, mais pas continuer effectivement à larguer de bombes sur les populations civiles. Ça, c'est contre les droits internationaux humanitaires et les prescrits qui régissent même les droits internationaux dans son ensemble. Donc, comprenez que c'était une diversion de la part de l'ennemi
Et nous, nous encourageons les forces armées, la République démocratique du Congo et les jeunes Wazalendo à ne pas croiser les bras et la population à ne pas paniquer. L'objectif des rebelles, c'est effectivement créer une certaine panique, une certaine psychose dans les chefs des populations civiles en vue de les obliger, de déguerpir et de vider leurs villages. Comme ça, ils auront accès à ces zones et à ces agglomérations. Et nous, on appelle en tout cas la population de Sake et de Masisi à ne pas pouvoir paniquer. Ne paniquez pas, très chers compatriotes, on garde le même moral. Nous tous, nous sommes mobilisés, la diaspora congolaise, toute la République, derrière effectivement les forces armées de la République démocratique du Congo, notre armée, et les Wazalendo qui font un travail de titan, ces jeunes dont aujourd'hui incarnent l'espoir de la nation. Je pense qu'avec tous ces efforts, nous allons mettre fin à cette guerre. Dans la cité de Sake, il y a la force de l'opération Springbok. Il y a les Wazalendo, il y a la SADC qui est là, qui a été visée, il faut bien le préciser ici, bien que ça n'a pas tenu. Au-delà de ça, le M23 insiste toujours à forcer pour voir comment est-ce qu'ils vont obtenir, la cité de Sake. Qu'est-ce qui le mène à l'assurance de pouvoir compter sur la cité de Sake, à continuer toujours à forcer, bien que ça n'arrive pas, mais ils forcent toujours. Qu'est-ce qui les mène à croire toujours qu'ils arriveront? Alors, ce qui est sûr, c'est que Sake, c'est en fait les derniers verrous pour avoir accès à la ville de Goma. Pour ceux qui maîtrisent la géographie de la province Nord Kivu, quand vous êtes à Goma, Sake, c'est en fait à quelques 27 km de Goma. Et le rebelle du M23 veut effectivement à tout prix occuper cette cité stratégique pour parvenir effectivement à se réorganiser en vue d'assiéger la ville de Goma. Et heureusement, il n'y arrive pas parce qu'il se heurte à la prouesse et à la détermination des jeunes Wazalendo et qui les pourchasse en tout cas et qui les neutralise comme pas possible. Vous savez, messieurs les journalistes, une fois vous êtes à Sake, vous avancez un peu, vous êtes au niveau de Nzulo. Après Nzulo, c'est le quartier Mugunga et déjà vous avez accès à la ville de Goma. Mais je veux vous rappeler ici, ça fait plus de 2 mois, plus de 4 semaines que les M23 sont en train de tenter d'arriver à Sake, mais ils ne sont pas, ils n'ont pas atteint leur objectif. Maintenant là, ils sont vraiment nombreux, beaucoup de leurs éléments sont à Chacha. Il y a aussi d'autres qui ont tenté effectivement de contourner en direction de la cité minière de Rubaya, mais ils se sont heurtés effectivement à la détermination de Wazalendo au point qu'ils ont été neutralisés et ils ont pris la direction du parc national de Virunga juste au nord de Goma dans les territoires de Nyiragongo. Vous comprenez donc que c'est en fait une cité aussi stratégique non négligeable et les rebelles voudraient effectivement y arriver pour tenter d'assiéger Goma. Une autre chose, c'est que vous savez que Goma est effectivement au nord de Goma, il y a les Nyiragongo, il y a les Rutshuru et juste ici, à l'ouest de Goma, il y a effectivement Sake. Et au sud, nous avons les lacs Kivu. Les rebelles D23 n'ont pas accès aux lacs parce que, vous savez, de l'autre côté, c'est en fait la ville de Bukavu qui s'y retrouve. Et au sud de Kivu, ça va un peu bien, bien qu'on a été alerté par rapport, effectivement, à des renforts, des raids Tabara avec le rebelle D23 dans les hauts plateaux de Fizi qui se serait en train de s'organiser pour effectivement lancer les attaques contre les forces régulières. Mais quand même, Goma, vous sentez comment est-ce que ça se passe. Alors, à l'est, c'est le Rwanda. Au nord, c'est le Nyiragongo et le Rutshuru. À l'ouest, c'est Sake. Et au sud, c'est les lacs Kivu. Maintenant, les rebelles du M23, ils sont beaucoup plus dans les deux territoires, dans les Rutshuru et dans les Masisi. Dans les Nyiragongo, une petite partie de ces aventuriers se trouve juste au niveau du parc national de Virunga. C'est de là où ils se réorganisent et se déversent effectivement dans les des autres territoires en provenance effectivement du Rwanda. Parce que vous savez, c'est le Rwanda qui ravita la rébellion du M23 en hommes et en munitions.
Mais non, j'espère que nous sommes mieux placés à ce stade pour parvenir à contenir cette rébellion. Et moi, je ne parviens pas à saisir qu'est-ce qui nous manque jusqu'à présent. Qu'est-ce qui manque au FRDC? Qu'est-ce qui manque à la SADC? Qu'est-ce qui manque à la MONUSCO? Qu'est-ce qui manque aux mercenaires? Plutôt pas aux mercenaires, le vocabulaire approprié, ce sont les instructeurs. Instructeurs humains. Qu'est-ce qui manque? Parce qu'il ne faut pas aussi donner des discours à l'ennemi. Ce sont les instructeurs qui sont aussi à l'œuvre. Mais on ne parvient pas à saisir les mobiles qui ne nous permet pas de les neutraliser. Je pense qu'autant que la surmilitarisation constitue une force, mais c'est aussi un autre défi majeur. Parce qu'à travers cela, vous remarquez un constat que nous faisons d'ailleurs, c'est que la chaîne de commandement n'est pas bien structurée et bien organisée. Nous avons beaucoup de généraux. On ne sait pas qui commande qui ordonne quoi, qui n'ordonne pas. Aujourd'hui, à Goma, on a plus de 15 généraux. Ici, des forces armées de la République démocratique du Congo, on a aussi effectivement les commandants et les généraux issus de la MONUSCO avec leurs fameuses opérations Springbok qui restent à échouer. Qui a lutté, que la cité de ça qui ne tombe pas. Ce n'est pas ça, si ça qui n'est pas tombé, ce n'est pas parce que la MONUSCO l'a voulu ou l'a fait. D'ailleurs, nos compatriotes de là sont en train de les accuser d'être complices avec l'ennemi. Et vous avez jeté à ça que il n'y a pas 3 jours, mais le véhicule de la MONUSCO c'est caillassé. La population ne veut plus voir de ces aventuriers parce qu'on estime que ce sont des complices. Et c'est vrai, moi je n'ai pas l'intention ici de défendre la MONUSCO. Je vais vous dire que la MONUSCO est venue en RDC pendant que j'avais 2 ans. Maintenant là je suis un grand garçon. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose d'une mission comme telle? Plus de 20, j'ai maintenant là 25 ans, près de 25 ans, monsieur le journaliste. La MONUSCO était venue en RDC en 1999, là, et on les appelait MONUC. 99, 2001, jusqu'à 2010, on change la dénomination, c'est devenu MONUSCO, comme pour leur accorder une mission effectivement offensive, mais il n'y a rien qui a été fait. Évidemment, on sait tout ce que la FIB, la brigade d'intervention, qui nous a aidés en 2013, a tenté effectivement de faire plusieurs efforts. Mais après la FIB, aujourd'hui, on ne sent plus la MONUSCO. Elle ne se limite qu'à des simples déclarations inutiles. Donc, allez-y comprendre que cette surmilitarisation qui s'observe ici, dans la province du Nord Kivu, c'est autant un défi majeur et aussi, effectivement, une opportunité. Il faut maintenant voir comment est-ce qu'on peut capitaliser cela. Mais à la fois, nous sommes des nationalistes. Personnellement, je suis un nationaliste de ça. Et nationaliste dans mon ADN, et je puis vous dire que mon espoir ne porte que sur le FRDC et les jeunes Oisalendo. Parce que tout le monde, nous savons que la SADC, ils sont ici pour leurs intérêts. Monsieur Moïse, ils ne sont pas venus ici mourir pour Monsieur nous. Moïse, la MONUSCO, même chose. Les instructeurs, même chose. Les États, entre les États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que les intérêts. Ça, ce sont des notions préliminaires en droit international. Et que donc, moi, je pense que nos militaires FRDC doivent être très bien entretenus et doivent se retrouver dans des conditions aussi favorables et propices en vue de défendre la terre de leurs ancêtres. Monsieur Moïse Hangui, on parle ici de l'arrivée de ces chefs d'état-major généraux des pays contributeurs des troupes de la force de la SADC déployés en RDC plus le Burundi. En appui au FRDC dans la traque de M23 sont arrivés jeudi à Goma. C'était hier alors, pour une rencontre de commandement de haut niveau. Une grande mobilisation dans la sous-région afin de mettre fin à la guerre du M23. Est-ce qu'on peut dire, au-delà de certains pays traîtres ou hypocrites face à la RDC, il y a d'autres pays qui s'intéressent vraiment à la guerre à l'est de la République? Absolument, tout le pays, tous nos voisins ne sont pas nos ennemis. Et ça, vous devez le connaître. C'est évidemment quelque chose d'évident. Aujourd'hui, l'Ouganda a décidé effectivement de trahir la RDC. Le Rwanda de M. Paul Kagame, même chose. Aujourd'hui, le Rwanda est devenu effectivement plutôt déjà qui essaie un peu de mettre, du piment dans pas même du piment, parce que le piment arrange très bien la sauce, c'est pas que dire, mais les Rwandais aujourd'hui ils mettent les verrous
dans nos affaires et servent effectivement l'ennemi qui nous agresse. Ça veut dire aujourd'hui, nous ne sommes pas en bon terme avec Kigali parce que Kigali continue d'appuyer les rebelles qui entretuent nos populations. Même chose avec l'Ouganda, mais quand même on a d'autres pays qui sont un peu sincères et qui sont un peu sérieux. C'est notamment le cas du Burundi. Je vous assure ici que parmi les partenaires aujourd'hui privilégiés que la République démocratique du Congo, ah, il y a le Burundi du président Évariste Ndayishimiye qui d'ailleurs a décidé de fermer ses frontières avec effectivement le pays des messieurs les sanguinaires Paul Kagame et les génocidaires. On a aussi d'autres pays comme effectivement le Malawi qui est en bon terme avec la République démocratique du Congo. Nous sommes en bon terme avec la Tanzanie de Samia Suluhu. Nous sommes en bon terme avec tous ces autres pays excepté le Rwanda et l'Ouganda. Par rapport donc à la préoccupation, allez-y donc comprendre. Après, on n'a même pas vocation d'être en bon terme avec tout le monde. Ça, c'est normal. Même dans la vie normale, si vous voulez vous faire aimer par tout le monde, ben, tant pis, parce que vous n'allez pas effectivement émouvoir tout le monde. Il faut faire en sorte que vous puissiez être en bon terme. L'arrivée de ces généraux, vous personnellement, leur arrivée, mais c'est significatif. Évidemment, j'y suis déjà, messieurs les journalistes. Leur arrivée, c'est significatif. Ils sont arrivés hier soir, ici dans la ville, à l'aéroport international de Goma. Nous les souhaitons la bienvenue. Nous espérons que nous aurons l'occasion de les rencontrer. Nous sommes ici dans cette ville comme de dignes fils, effectivement, de Goma et de notables. Et nous allons tenter, nous allons faire de notre mieux pour approcher, effectivement, c'est au cadre de l'armée, pour essayer de les soumettre nos désidératas en tant que population et pouvoir les demander de tout mettre en œuvre pour restaurer l'autorité de l'État. Et nous nécessiterons, effectivement, de réaffirmer notre soutien. Mais toutefois, si dans un laps d'État, la SADC ne parvient pas, effectivement, à nous aider à imposer la paix, en tout cas, je vais vous dire ici avec toute honnêteté, je serai parmi ceux-là qui vont encore marcher, ceux-là qui vont encore se soulever pour chasser. Et à ce stade aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas à ce stade aujourd'hui, continuer à démêler avec des terroristes. À ce stade aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut compter la SADC? Comment est-ce qu'on peut la qualifier avec la mort de ces militaires, la mobilisation, tout le reste? Combien de comment militaires, est-ce qu'on peut qualifier ça? Vous voulez, mais il y a des militaires de la SADC qui ont perdu la vie ici à Sakine. C'est des militaires qui sont morts. Je ne jette pas de l'opprobre à leurs âmes. D'ailleurs, je les rends hommage. Mais je pense que ce n'est pas aussi intéressant de chaque fois faire trop de baisse. Comme si nos Wazalendo qui meurent, il n'y a rien. Mais vous connaissez combien de militaires FARDC meurent. Ils sont beaucoup, messieurs les journalistes. Et que donc, s'il y a deux Sud-Africains qui sont morts, mais nous, je vais vous assurer qu'on a perdu des milliers de soldats. C'est peut-être parce que on ne rend pas ça public pour des raisons d'éthique et des façon de ne pas aussi démoraliser d'autres troupes. Mais je veux vous dire que nous aussi, on a perdu d'éléments et que donc ça, ce n'est plus une question qui peut, en tout cas, nous prendre trop d'énergie. Mais je voudrais ici demander à tous ces chefs d'état-major de tous ces pays de l'EAC qui sont à Goma, ici, dans notre ville, peut-être que nous allons le voir, de pouvoir en tout cas tout mettre en œuvre, serrer la ceinture, envie de déloger les rebelles du M23 dans toutes les agglomérations qu'il occupe, Massissi, en passant par Niragongo, dans les Rutshuru, jusqu'au niveau de Bunagana. C'est que la population du Nord qui vous veut, c'est la paix. La population du Nord qui vous, la population déplacée qui se retrouve dans des cas aujourd'hui de fortune et qui traverse effectivement des conditions de vie précaires, veulent rentrer dans leur village. Et vous, très chers officiels de l'armée, c'est pour ça que nous vous accueillons dans cette ville. Nous osons croire que vous allez nous aider. Si c'est pour le tourisme ou pour vos intérêts mesquins, la population ne va pas accepter. Nous allons chasser vos troupes ici dans moins d'un mois. Mais avant que cela n'arrive, nous vous souhaitons bon travail et nous vous réaffirmons notre accompagnement. On finit par un message au FARDC, mais également à tout le vaillant Wazalendo qui accepte bien de défendre la patrie. Au nom de tous les Wazalendo qui ont perdu leur vie dans cette guerre d'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda
et de l'Ouganda, au nom de tous ces vaillants militaires qui ont laissé des femmes veuves parce qu'ils étaient en train de défendre effectivement l'intégrité de notre territoire, au nom de tous ces Mamadou vivants qui continuent à se battre pour que nous puissions déloger les M23 à Bounagana, dans les Massissi et dans les Routourou, au nom de tous ces Baouma vivants qui continuent effectivement à scier pour que nous puissions effectivement bouter dehors l'ennemi de la République. Je vous félicite, je vous encourage et je vous rassure que les ancêtres sont fiers de vous et ne vont pas vous laisser. La population congolaise se mobilise derrière vous pour voir dans quelle mesure du possible vous pouvez faire ce travail de manière aussi propice. Nous lançons tout de même un message à tous les compatriotes de la diaspora congolaise, à tous les amis du Congo, à tous les hommes d'affaires. Très chers téléspectateurs, vous avez quelque chose. Vous ne pouvez rien avoir, vous pouvez juste avoir un tuyau et je vous appelle ici à faire un geste de solidarité et d'accompagnement aux jeunes Wazalendo spécifiquement pour que ces jeunes aident très bien le pays. Nous sommes effectivement à votre disposition pour des commentaires, pour des analyses, pour des orientations, pour des conseils. Vous avez suivi l'émission du début à la fin. Merci de nous faire effectivement vos appréciations et de nous aider à pouvoir améliorer à la votre prochaine. Numéro, mais nous oui. sommes sur le plus 243, Code Amboka, 99, 25, 42, 946. Je réponds, plus 243, 99, 25, 42 946, nous serons émus de recevoir vos messages. Merci. Sur WhatsApp et nous sommes aussi sur Airtel Money pour ceux-là qui peuvent vouloir nous faire quelque chose. Merci. Merci mon frère Angui, c'est un plaisir particulier pour Congo Live Télévision d'avoir été notre invité mais également d'avoir accepté notre invitation. Nous vous disons merci et à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci beaucoup, à plus.